Abdelmjid est un enfant de la Casbah. À 70 ans, il est une véritable mémoire de l'ancienne Médina dont il connaît tous les recoins. Depuis 35 ans, tous les jours, il suit le même chemin pour rejoindre le cœur de la vieille ville. Sur place, au détour d'une ruelle, il rejoint ses amis dans l'un des lieux les plus anciens de la Casbah. Ici, il forme un cercle de musique arabo-andalouse. Dans cette petite pièce de 15 mètres carrés, Abdelmjid et son groupe, les Fils du Détroit, partagent des mélodies ancestrales. C'est en 1974 qu'Abdelmjid a l'idée avec un ami de créer l'association Les Fils du Détroit. Depuis, il veille sur le cercle de musique. Pour Abdelmjid, plus qu'une passion, la musique est pour lui une vocation. Je ne peux pas me passer de ce club de musique. Il fait partie de ma vie. C'est une partie de moi. On peut me priver de nourriture, d'argent, mais jamais de ce club de musique. Une fois par semaine, avec son groupe, il enseigne à des plus jeunes sa passion pour la musique arabo-andalouse. Ce sont les meilleurs professeurs que j'ai eus de toute ma vie. J'apprends beaucoup d'eux, de leurs expériences. Lorsque je quitte les lieux, je ressors avec un savoir. Beaucoup d'artistes ont été formés par ce club de musique. Des artistes connus au Maroc et qui représentent Tanger, le Maroc et particulièrement la musique arabo-andalouse. Aujourd'hui, l'association fête ses 40 ans, 40 années au service de la musique arabo-andalouse, une musique dont ils souhaitent aussi être les ambassadeurs à l'étranger. En tout cas, une chose est sûre, Abdelmjid et sa troupe ont depuis longtemps conquis le cœur des Tangérois.